dimanche, le... Dimanche le 10 février 2019, on est en route vers Québec. Il y a à peine 48 heures, il a fallu qu'on annule le spectacle à Montréal, à la Place des Arts de Véronique, parce qu'elle était malade. Et là, on s'en va faire un autre spectacle. Je suis très nerveux, extrêmement nerveux. Mais pas pour les raisons que vous pensez, je suis nerveux à cause de... Il y a une femme qui conduit. J'aurais dû me fermer la gueule. Allez, nous voilà au Capitole de Québec. On est le deuxième jour, deuxième spectacle tout à l'heure. Ils vont bientôt ouvrir les portes. On a fait un spectacle hier, ça s'est bien passé. On vient de faire un test de son. Tout va bien, tout va très bien. On commence même à répéter les chansons de la tournée française. La tournée européenne, je dois dire, parce qu'on va, on reste pas juste en France, on se promène un peu. Ça, c'est Alex et Pierre, vous les connaissez, je pense. Vous les avez déjà vus. Arrête de vous mettre sur ta chaîne YouTube, là. D'ailleurs, on est le 14 février, dans pas longtemps. On est, ouais, c'est ça. Si vous voulez nous voir à Walpé et tout ça, il va falloir... J'ai oublié de dire, ils annoncent une tempête de neige demain, ici. Et vraiment, une grosse tempête de neige. 40 cm de neige. 4, 0, 40 cm de neige. Vous imaginez? On est censé faire un spectacle demain. Avec 40 cm de neige, le public va rentrer comment? Comment ils vont faire? En tout cas, on verra. À suivre. On vient de finir show numéro 2 au Capitole. Comment ça a été? Ça a bien été. Aïe, aïe, aïe. La tempête est commencée. Je viens de sortir du théâtre, là. Et là, il neige en malade. Aïe, 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 aïe. Personne à la patinoire. Ouf. Malade, j'espère qu'il... Ça va être l'enfer demain matin ici. On va avoir de la neige partout, partout. Jour 3 à Québec. Troisième show ce soir. J'espère qu'il va y avoir un spectacle. Je parlerai peut-être annuler le spectacle, le reporter. Quand c'est trop gros, comme tempête de neige, ils arrêtent les transports en commun, donc le public ne peut même pas se rendre au théâtre. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui sur les routes. Les écoles sont fermées.
Là, il y a des voitures empiégées. Il y a des bancs de neige. Il est en train de faire du dégât, lui. Cette tempête, elle a frappé pas mal toute la province. Même chez nous, dans la région de Montréal, c'est comme ça. C'est pas juste à Québec. Et demain, on a beaucoup de route à faire pour le prochain spectacle à l'Abbé. Aïe, aïe, aïe. La tempête de neige est dehors, mais à l'intérieur, ici, on est sur scène, au Capitole de Québec. Les musiciens sont là, cachés derrière les décors. Ils sont en train de pratiquer le spectacle européen qui commence dans quelques semaines, en fait. On prépare les nouvelles chansons, on prépare les nouveaux spectacles pendant qu'on est installé ici au Capitole de Québec. Je te tape, dis-moi ce qui... Ça fait c'est marrant. Ça fait mal, hein. Ah, ça c'est... Tu laisses ta petite touche. Ouais, il faut. Bordel de... De queue ou de... Ah. Bordel de... Tu sais, il y a le... Dans le Père Noël, tu vas en tu fais... Ah oui. Le père de toute la team des bronzés qui étaient à Fond. Oui. Comment ça s'appelle? Le splendide. La scène. Où il se coince les doigts dans l'ascenseur. Non, où elle lui coince le doigt. Ouais, il se coince le doigt dans l'ascenseur. Dans le truc tableau électrique. Il fait wop. Ta mère. Thierry Lhermitte, il l'aime. C'est une réplique. Tu peux aller la chercher. Peut-être qu'on n'est pas obligé de commencer avec. Préfère aïe aïe. Ouais. Comment? Aïe ta mère. Il faudrait que écoute la rythmique. L'ermite il est magnifique. Et essaye de réécouter la rythmique de Thierry Lhermitte. Mais il est à côté sur de sur Anémone. Le Père Noël est un ordure. Oui. Véronique et José sont en train de travailler sur un texte pour la tournée française. Et Alex et Pierre sont français. Alors. Parfois, on leur demande des opinions, qu'est-ce qu'ils pensent, parce qu'ils représentent pas mal le public français ou européen, plus que nous. Tu sais, des fois, les petites différences culturelles, ça, c'est pas évident à saisir, hein. Pierre, vous n'y arrivez pas. Bon, alors, on va plus à un dépanneur. Pas devant à ça, vous savez. Petite seconde, j'y suis presque. Autant éviter une dépense inutile, hein. Je pourrais peut-être arriver à plus loin. Faites le vieux comme ceci. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas retiré les trois autres vis? Mais parce que je n'ai pas de cruciforme, sinon je les aurais retirés, bien entendu. Allez-y. Voilà. Poussez bien par là. Voilà. Attention. Voilà. Attendez. Voilà. Allons. Ah 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 oh ta mère, parle-moi ça. Oh, il vient d'arriver, il est arrivé. Ta mère, mais certainement, il est blessé. Ta mère, c'est pas mal, hein. Ta mère, ok, fait qu'il dit. Ta mère, et les gens en plus vont reconnaître ce truc-là. C'est entièrement de ma faute. J'ai tellement mal à la droite. Bon, bien maintenant, vous avez réussi à vous faire mal. Vous allez peut-être rater les trouvailles du panache. Il fait combien sur scène? Je sais pas. Température? Je regarde ton... Parce qu'il fait froid, hein? Ton thermomètre, il fait très froid. Ah, il fait 18. 18 degrés. 18 degrés, Alain. 18. It doesn't feel like... Yeah, it's quand même froid, 18. Hein? T'as mangé ta première poutine aujourd'hui? Ouais. Je peux dire que là, je suis prêt pour la sieste. T'es prêt pour la sieste? J'ai pris une baby, elle faisait 4,5 kg. J'ai pris supplément gras de poulet, moi.
Avec double saucisse et... Avec double saucisse, c'était une cochonne, c'était frites, sauce au lard, ouais. Mouille de cochonne et... Et 4 kilos de bacon dessus. Du bacon dessus, ouais. Depuis le mois de... C'est quand qu'on a commencé à tourner? On a commencé en novembre, là on est rendu en février. C'est depuis le mois de novembre qu'ils s'obstinent tout le temps pour le changement du camion. Ça change à toutes les semaines. Ça change pas? Ça change à toutes les semaines. Mais non. Mais oui. Comment? J'explique le chargement. C'est parce que ta main à l'envers. C'est parce que ta main à l'envers, c'est ça l'affaire. Ah là, je comprends. Bon. J'avais peur que le spectacle soit annulé. Cause de la tempête de neige, mais non, on a eu un spectacle quand même. Superbe. On a eu un bon spectacle. Ça y est, nous, on a fini. Notre journée se termine ici. Notre séjour à Québec se termine ici pour l'instant. On a vécu pas mal de choses. Ça s'est bien passé. 3 jours en spectacle. Les spectacles se sont bien passés. On a eu des bonnes critiques. Le monde a apprécié. Dans la journée, on répétait pour le spectacle français. On a bien bossé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord. Il y a juste la tempête que on a surpris. 40 cm, là. Il neige encore un petit peu? Et comment c'est tranquille ici? Après tout ce qui a tombé, il neige encore. Demain, on se dirige vers la baie. On a plusieurs heures de route à faire dans la neige. Ben, tu vas avoir un beau film avec moi. Hey, c'est tard, regarde! Ça, c'est le dedans de mon nez. C'est ça. Lolo a... Oh. C'est en HD. On va voir toutes les ça, c'est les petits poils de mon nez. Oh my God, elle a presque mangé mon caméra. Notre aventure se termine ici pour Québec. J'espère que vous avez aimé notre passage à Québec. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre nos aventures sur la route. Ciao! I don't know what you want.